Dans cet épisode, vous verrez que le prêtre repart, Bani le suit. Le prêtre dit à Bani qu'il veut revoir la carte astrale de Rishi parce qu'il le marie à la mauvaise fille. Le mariage de Rishi devrait avoir lieu avec Tanvi, alors sa vie sera sauvée. Et Pawan n'est le bon gars pour aucune fille, sa carte astrale montre deux mariages, tous deux trompeurs, et il est également destiné à commettre un meurtre dans le futur. Bani dit au prêtre de ne pas parler comme ça. Votre maître principal lui-même a dit que Rishi et Tanu devraient se marier. Le curé n'est pas convaincu. Bani fait fuir le prêtre. Kuljit voit tout cela. Bani dit à Kuljit d'amener un autre prêtre qui peut faire le travail pour de l'argent. D'un autre côté, Raj et Rano s'inquiètent pour Rishi. Raj dit à Rano que Rishi a des ennuis. Le 23e anniversaire de Rishi approche, et avant cela, le mariage de Rishi devrait avoir lieu avec la fille qui lui est destinée. Le prêtre a laissé des indices et est parti. Entre-temps, Rishi arrive également. Raj demande à Rishi s'il a aimé la robe de mariée qu'ils sont allés acheter. Rishi dit qu'il l'a fait. Bani et Kuljit arrivent également. Raj dit à Rishi que sa carte astrale a commencé à montrer des effets négatifs. Nous devrons conclure votre mariage avant votre 23e anniversaire, nous avons donc décidé que le jour où Pawan et Tanvi se marieront, nous marierons également Rishi et Tanu. En entendant cela, Bani et Kuljit deviennent très heureux. Rishi est choqué. Il dit à Raj qu'il n'épousera pas Noa, Tanu. Raj demande pourquoi il ne se marie pas. Rishi hésite à répondre, disant que les arrangements appropriés pour le mariage n'ont pas encore été pris et qu'il ne peut donc pas se marier maintenant. Raj dit de ne pas s'inquiéter, je vais organiser un grand mariage pour toi. Rien ne manquera. Raj dit à Bani et Kuljit que comme il y a maintenant deux mariages dans la maison, nous devrons discuter de tout le programme ensemble. Et tout le monde devient très heureux. Rano pense que Rishi est désormais devenu le plus grand ennemi de l'amour de son père pour lui et Tanvi. Tanvi va faire du shopping avec la mère de Pawan, en chemin, elle se souvient d'elle et de l'enfance de Rishi. Tanvi sourit. La mère de Pawan la regarde, pensant que Tanvi sourit en voyant les enfants, je serai également heureux de les voir ainsi lorsque nous aurons nos propres enfants. Rishi dit encore une fois qu'il ne peut pas épouser Tanu. Raj lui demande quel est le problème, pourquoi parfois acceptez-vous cette relation et parfois refusez-vous? Vous ne savez pas que Tanu serait blessé par ça. Et si vous pensez que votre mariage ne se passera pas bien, alors je vous promets que j'organiserai un très bon mariage pour vous et que tous vos amis viendront aussi. Rishi dit que lui et Tanu ne se connaissent pas encore bien. Je n'épouserai que celle que j'aime. Raj dit que vous vivez tous les deux sous le même toit, faire connaissance après le mariage. Bani et Kuljit disent que vous pouvez emmener Tanu où vous voulez. Emmenez Tanu déjeuner et parlez-vous. Rishi comprend que s'il accompagne Tanu, son temps sera perdu. D'un autre côté, Pawan pense à Rishi. Dans tous les cas, Pawan ne laissera pas Tanvi épouser Rishi. Pawan dit que je sais très bien ce que je dois faire en sorte que Rishi lâche prise. Pawan appelle un tireur et lui dit de tirer sur Rishi. Je n'ai pas beaucoup de temps, Rishi devrait bientôt être mort. Le tireur demande à Pawan la photo de Rishi et lui dit de ne pas s'inquiéter, je vais tuer Rishi. Bani et ses filles dansent et sont très heureuses. Tanu est également très heureuse d'aller déjeuner avec Rishi maintenant, et son mariage avec Rishi aura bientôt lieu. Noa dit à son ami Swati de se lier d'amitié avec son petit ami Sandy. Il sera seul après mon mariage. Swati dit non, j'ai déjà quelqu'un pour moi. Manpri m'a donné aujourd'hui un signal à travers ses yeux, mais je l'ai raté. Pawan cherche la photo de Rishi, Sanoli entre dans la pièce et demande ce que tu cherches. Pawan lui dit que c'est la photo de Rishi. Sanoli partage la photo de Rishi avec Pawan, et elle se rend compte que Pawan envisage de faire tuer Rishi, alors Sanoli est choquée. Merci d'avoir regardé. Comment avez-vous trouvé cette critique? Laissez un commentaire ci-dessous.